Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du City Skyline. Bon, alors j'ai rajouté quelques petits modes, on va dire plutôt une dizaine, qui a un petit côté graphisme, donc pas forcément cool, si cool, dans le sens où que ça rajoute des graphismes, des reliefs, des ombres au niveau des habitations. Alors, par moments, je tombe à des frames assez incroyables, mais finalement, ça rend plutôt beau avec les ombres là. Donc, il faut quand même avoir une assez grande, une assez grande carte graphique pour faire tourner avec les ombres là, que j'appellerais ça plutôt des shaders. Bon, alors, sinon, concernant un petit peu la ville, vous êtes nombreux à me dire, fais des routes, fais des plus grandes routes, fais des petites routes pour accentuer l'avenue et autres. Je suis bien d'accord. Bon, déjà j'ai fait le pont là, donc c'est déjà bien au niveau des poubelles. On m'a demandé aussi d'augmenter mes sites d'incinération, et effectivement je vais encore augmenter. Cependant, je suis quand même dans le rouge. Je suis pas loin d'une dizaine de milliers dans le rouge, donc ça risque d'être un peu violent. J'ai également installé en fait un open browser qui permet justement d'ouvrir via un navigateur web en local qui vous permet justement de voir un petit peu votre population actuelle dans certains par exemple quartiers, notamment le quartier Magnolia là. Ça me dit quoi, quartier Magnolia, voilà. Alors actuellement, tout simplement, hein, je suis en train de regarder en même temps. Quartier Magnolia, il a 5003 personnes actuellement. On va mettre en pause, voilà. Actuellement dans le quartier, il y a 5014 personnes. Il y a 635 buildings, 244 véhicules. Oslood, je crois que ça veut dire les étudiants. Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, il y en a 1796 sur 2050. Au niveau des jobs, il travaille actuellement, il y en a 481 sur 884 de disponibles. Aucun tourisme. Valeur du terrain environ 29 simflouz. Population de 2%. 2% de la population. Donc c'est assez important qui travaille là-dedans. Dans le quartier là, alors pourtant, c'est ça que je comprends pas, c'est pas assez d'employés. Alors j'ai rajouté le mode que Pierre m'a donné aussi, le nom, donc c'est plutôt sympa. Il y a 12 emplois disponibles, population 0, building 195, il y a 2757 travail en total, il y en a 1102 qui bossent actuellement, et pollution 91%. Voilà. Ah oui, c'est. En fait, c'est pas population, c'est pollution. 91%, c'est majoritairement là. Parc Noyer Blanc. Le parc Noyer Blanc. Parc Noyer Blanc. Je crois que c'est cela. Oui, c'est cela. Voilà. Parc Noyer Blanc, ce qui est actuellement ici. Lui, il est en train de se vider. Non, bah, il va se vider. Parc Noyer Blanc, il n'y a aucune population. Il y a 18 bâtiments. Je sais pas qui voit les 18 bâtiments, lui personnellement, mais c'est pas très grave. Ouais, il n'y a pas 18 bâtiments. C'est pas très grave. Des fois, c'est un peu faussé, hein. 43 virgules, c'est possible avec tous les camions qu'il y a. 100% de pollution, ouais, bah tu m'étonnes. 43 sur 120 disponibles de job. Donc, voilà, on va dire que c'est un petit peu fiable concernant ceci. C'est pas non plus à 100%, mais voilà. Au total de la population, on est exactement ce qui est marqué là. Il y a 5000. Ah non, 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 j'ai rien dit. Il y a 5453 travailleurs sur 10 333 de disponibles. Donc ça veut dire qu'on est quand même effectivement a besoin en fait d'employés pour fonctionner à plein régime. Notamment, on le voit ici. Où on peut le voir. Ouais, ça doit être par là, ici. Donc, voilà, c'est assez conséquent.
Et au total de la ville, à peu près, on a 13% de population, de pollution. De population. Oui, bien oui. Donc, alors, c'est pour ça que je veux justement augmenter un petit peu les habitations. Vous avez vu là, pas assez d'employés, pas assez d'employés, c'est chiant. C'est vraiment agaçant. Donc, pour ce qui est là, en fait, on va casser la route là. Donc pour ça, je mets en pause. Voilà. Et je vais délaître toute l'avenue. Voilà, je vais délaître toute l'avenue. Et bah évidemment, ça va partir. Naturellement, voilà, tout se barre, hop, tranquille, et toi, le bâtiment n'est pas vide. Ah, tu me fais chier en fait. Le bâtiment se vide, il va falloir juste que je fasse un petit parcours. Rien de trop dramatique. C'est pas très grave au pire. Et toi, voilà, je te délaisse parce que t'en as un petit peu rien à foutre d'être là. Ça, je sais même pas ce que c'était, mais je détruis, rien à foutre. Voilà. Et évidemment, bah ça a pas. En fait, ça a plusieurs problèmes, c'est tout à fait normal. On va lui mettre une petite route ici. Voilà. Comme ça, il sera content. Et une route comme ceci. Voilà. Bon, ça craint un feu, certes, mais on s'en fout un peu. Et je vais juste relier à l'énergie. Voilà. Comme ceci, tu vas plus me faire chier. Lui, du coup, il se vide, donc crématorium pas très loin. Ça, c'est un crématorium. Oui, effectivement. Donc, c'est parfait. Je vais augmenter la valeur. Ou pas. Si, je vais l'augmenter. Ou pas, parce que je suis encore dans le rouge. Donc, il va pas. Il faut pas que je le monte. Ah, il y a 12 000 quand même là-dedans. Niveau des bâtiments, 50%. Ouais. Niveau des eaux, je vais descendre un peu le budget là. Ça va travailler tranquillement, mais ça va être tout seul. Taxe valeur foncière trop bas. Ah bah c'est cool, tu dégages. Hop, ça ira plus vite. Donc, on va du coup tout simplement augmenter. En fait, refaire une petite ville ici. Une petite ville, on va pas mettre forcément de gare du fait que la gare en fait il y en a une qui se trouve ici. Oh, c'est sympa, hein. Lui il attend en fait pour que l'autre arrive. Ah, et puis eux en fait, train de passagers, ouais, ils tournent là et ensuite ils repartent là-bas. Bon, ça va, c'est parfait. En tout cas, les gares fonctionnent plutôt bien. Cargo transport 100, radius 62, ah ouais, quand même. Et bon, ça va. On va dire que ça fonctionne bien. Est-ce qu'il est de l'autre côté qui n'a plus d'énergie? What? Ah, ok. Voilà, vous avez de l'énergie. En plus, si ça merde, ça va pas le faire. Qui est... Wout? What? Bah, il y avait une gare ici. J'ai problème. Ouais, il y a un ch'ti problème. Bon, c'est pas très grave. Je vais juste faire ça. Voilà. C'est juste pour le côté de la forme. On va mettre des petits bureaux. Voilà. C'est plutôt bien. Hop. Voilà. Parfait. J'aime bien le cercle. C'est cool. C'est cosy. J'aime bien les wagons en fait qui font ça et qui font ça. Du coup, là il y a le pont, ça part là-bas forcément. Ici il y a du pétrole, du bois, c'est parfait. Comme ils sont tous malades et ils sont chiants, et les habitants sont malades, ben, j'y peux rien en fait. Merde. Hein. Ici ça manque assez cruellement de personnes. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé la texture. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est toute la pollution, ça évite que ça soit violet. Et bah, l'eau qui est bleue, hein, naturellement, au dieu de noir. Ici, bah, ça manque moins de.
d'employés. C'est plutôt sympa finalement. Bon, c'est la pollution, donc c'est du pétrole à gogo, hein. Abonnement 0, pollution 100%, oui, bah oui, tu m'étonnes. Recyclage, ouais. Disposition de... En fait, on s'en fout un peu de ça. Comme ça va nous augmenter le débit. Recyclage, c'est possible. Ça, on s'en fout. Et deux bâtiments, grosse entreprise. Hop, on s'en fout aussi. Parce que là, c'est que du pétrole. On s'en fout un peu. On tape tout. Ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes malades. Donc, on va faire une petite razzia. J'étais à 20 000 habitants et là je suis plus à beaucoup, ça me dérange un peu. Ah, ça sens unique par moment et c'est... Non, c'est pas sens unique. En fait, ça... Ça a combien de voix ici? Ça... Ouais, ça a double sens, hein. Faudrait que je fasse à double sens, mais que je mette une avenue centrale ici. Mais il faudrait que j'augmente toute l'avenue ici. C'est un peu dérangeant. Bon, c'est pas très grave. On va passer à la suite. On va augmenter ce pont-là parce que effectivement, il est beaucoup trop. Bâtiment se vide. Ouais. Il reste beaucoup encore là-dedans en décharge 67%. Ouah, ça me dérange un peu. Parce que je voudrais en fait augmenter ici. Ça, c'est le système qui est en train de se vider. Faudrait que j'augmente ici, que j'augmente tout ça et que j'augmente le pont. C'est important d'augmenter le pont. Ça permet d'avoir un accès plus rapide. Ici je peux pas, ici je peux pas, peux pas, peux pas. Je ne peux pas parce que tout simplement c'est en dehors de la ville. Mais c'est pas très grave, ça fait quand même une bonne route, hein, on va dire un bon pont pour tout ça. Donc c'est plutôt acceptable, on va dire. Évidemment, si je le fais là, du coup je vais pas pouvoir le faire à cause de là. Je pourrais là, mais pas là. Et puis ça va gêner. Ici je pourrais pas du tout. Ici je pourrais, mais ça va engendrer pas mal de problèmes. Et ici il y aura... Ouais, bah il faut attendre, faut vraiment attendre que en fait ceci se vide, que je puisse améliorer toutes les routes, sachant que je peux pas le déplacer. L'école élémentaire, ça va, c'est plutôt sympa, des étudiants ils sont bien. Au niveau du revenu, ah oui, je suis en baisse. Par contre, il va falloir que j'augmente peut-être la taxe foncière. Au niveau des impôts, que je l'augmente à 10%, à 10%. Ça à 10, donc c'est plutôt sympa. Du coup, ça c'est en train de descendre. Que dit bon, ça va, ils sont plutôt sympas. Bon, évidemment, hein. Population descend, monte, descend, monte. Mais on va dire qu'au niveau des jobs, est-ce qu'on arrive à tenir? Sur 8000 postes, il y en a 5100 qui sont actuellement occupés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 3000 personnes qui sont pas forcément bien. Et il va falloir un petit peu qu'on arrange ça. Donc on va peut-être faire une partie de la route là. Ou un truc qui permet de descendre. Mais il faudrait que je le déplace du coup. Et ça va me coûter du frais. Donc c'est pas vraiment cool comme je voudrais. Non, je vais prendre comme ceci. F1. Non. Hop, on va se mettre dans le bon sens. Pourquoi ça veut pas? Ah oui, c'est R et J. Putain, ça fait quand même 16 000, hein, ça fait mal. Vache. Ah oui, j'aurais peut-être pu le prendre par là en fait. Ouais. Est-ce qu'au niveau de l'inclinaison, ça va correctement? Ouais, on peut dire que ça va correctement. Voilà, ça gère un feu. Certes, c'est pas vraiment très gênant au pire.
On va le faire longer au bord de la route. Ça pourrait être sympa. Bon, bien sûr, ici, on va arrêter. Comme ça, je vais pas le faire tout de suite. Va falloir juste que je délaisse ça. Je délaisse ça, c'est pour éviter de me faire un feu directement tout de suite. Bien sûr, il va falloir quand même que je fasse en sorte qu'il y ait du fric qui rentre. Parce que là, actuellement, au niveau du fric, ça va pas forcément très bien. Donc, du coup, on va faire autre chose. Là, c'est de la petite route. Je vais quand même faire en sorte d'avoir plutôt une grande route ici. C'est quand même une, en fait, un choix de le faire en fonction de ce qu'on peut proposer à ses habitants qui ne sont pas forcément très contents en fait de. Oula. Prendre toi à cligner. Ouais bah oui, je suis bien d'accord. Voilà. 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 Donc c'est plutôt un bon point là. Il y a déjà la route qui va. On va continuer. Ça va faire massif, mais ça peut. Oh, ça pourrait le faire. Au moins jusque là. Non, peut-être jusque là quand même. Là, ça va faire plutôt une grosse route. Et là. Il va falloir qu'on fasse à partir de là. Voilà, comme ça, ça fait une route correcte. On n'a plus que 22 000, donc il va falloir faire attention quand même à son budget. Afin d'éviter quand même des frais inutiles par la suite. Et je voudrais bien en fait relier une partie de ça à ça. Parce que ça comme ça, ça fait une route près du chemin de fer. Ça peut rendre sympa. Mais également pour ça. Déjà au niveau de la route, c'est plutôt correct. Va falloir faire... ici, j'ai envie de faire en fait la route un petit peu en mode YOLO. Dire qu'on crée une route... on va dire par exemple par là. Voilà. Un petit peu en mode coucou YOLO. Voilà. Voilà. Ici on va faire un gros demi-tour. Ouais, ça pourrait être rendre pas mal en fait hein. On va continuer encore un peu jusque là, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, c'est sûr que moi, comme j'aime bien être que ça soit droit, ça va être un petit peu dur, mais c'est pas très grave. Pas assez d'argent, oh merde. Effectivement, pas assez de fric. Eh ben, on va faire en sorte qu'il y ait du fric. Tac. On va mettre ce qu'il faut ici. Ça risque de polluer un peu, mais on s'en fout. Alors, l'avantage en fait de Cities Skylines, c'est que tu peux être dans le rouge. Ils s'en foutent un peu en fait. Tu peux être dans le rouge, bon, tu auras des intérêts. Je crois que tu auras des intérêts en tout cas. Mais tu peux quand même survivre sans trop non plus dépasser la zone en fait. Hop. Voilà. Hop, les petits carrés qui vont bien. Tac, tac, voilà. Donc ça peut rendre pas mal. Il va falloir juste que... Ah, je reviens. Bon, nous revoici. Ah, nous allons une petite alerte de banqueroute. Nous sommes supérieurs à moins 10 000. Donc du coup, il nous demande de faire un prêt. Eh ben, on va faire des prêts, et puis du coup, je vais devoir, en fait, couper des services, ou réduire vraiment les services, en fait. Comme l'énergie, là, je vais baisser. L'eau, correct. Ça, je vais baisser un peu. Voilà, il y a des choses qu'il va falloir que je baisse. Nombre de trains disponibles. Ben, je vais baisser, ça sert trop à rien. Hop, on est à moins 8000. Revenus dépenses recettes. Voilà, bah il va falloir juste faire un petit peu problème. On va augmenter un petit peu
temporairement les impôts. Normalement, voilà, les sous-sous sont en train de remonter. C'est pas plus mal. Il va falloir quand même que je fasse un pont de connexion. Forcément pas comme ça. Il va falloir que je fasse comme ceci. Forcément, je peux pas. Forcément, je ne peux pas. On va faire comme ça. Et puis, on va faire comme ceci. Hors de la limite. Ah, t'es sérieux quand même? Ouais, ils sont sérieux en plus. Il y a quand même un sacré problème parce qu'au niveau de du fric, en fait, ça descend rapidement, quoi. Ça a quand même un problème au niveau de l'énergie, en tout cas. Je vais voir un petit truc. On est largement au-dessus de l'énergie. Je peux le descendre rapidement, quoi. 70%. Et au niveau de l'eau, ouais, c'est bon, on a ce qu'il faut en eau, donc on peut descendre largement ça aussi. Voilà. Allez, vas-y, vas-y, remonte. Moins 5000. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va vraiment pas. On a un sérieux problème. On va faire un gros prêt de 200 000. Alors, on est plutôt obligé en fait. Ça, je vais descendre un peu. L'efficacité au niveau des pompiers, je vais rester correct. Au niveau des, de la police, je peux descendre parce que on a largement ce qu'il faut. Au niveau de ça, je vais descendre un peu. Au niveau des parcs, c'est pas énorme, donc on s'en fout. Et au niveau de ça, en fait, on est déjà à 2800. Et c'est, ah oui, c'est gros bâtiment. Gros bâtiment, on va voir un petit peu ce que ça donne là-bas. Ah, où? Ah, oui, forcément. Forcément, forcément. C'est pour ça que c'est en chute libre, en fait. Il n'y a plus d'énergie. Pas qu'il n'y a plus d'énergie, en fait, c'est un petit problème. Comme ça, lui, ils vont être reliés, lui, ils vont être reliés. Ah oui, les industries se barrent complètement, en fait. Ok. Les industries se barrent complètement. Du coup, la gare, elle est plus alimentée. En même temps, la gare, tu vois, je vais la couper parce que ça fait un prêt pour l'instant. On s'en fout un peu. Un mort attend d'être transporté. Lui, il est relié ici. Donc, oh putain, oui, ah oui, ah oui. Là, il y a the big problem. The big problem. Hop, je vais mettre ça complètement comme ça. L'énergie coule à flot ici. Donc, ça va, c'est pas un problème. Je la pompe où cette énergie du coup? Ah oui, je la pompe de là. Ah oui, mais du coup, ça, ça a de l'énergie, mais pas forcément pour ça, du fait qu'il y a plus. Il n'y a plus la vallée là. Ah! Un problème à mettre au point. Voilà. On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Hop. J'enlève. Tout est réalimenté. Donc c'est plutôt un bon point. Ici, je voudrais bien en fait qu'ils construisent. Ça pourrait être sympa. Niveau du fric, on recommence à être dans le positif. À partir de maintenant, voilà, on est dans le positif. Donc, non, négatif. Non, négatif, 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 négatif. L'argent en fait ne coule pas forcément à flot comme je veux en fait. C'est ça, c'est un petit peu le problème. Au niveau des eaux, des déchets, on va peut-être en enlever une. Ouais, on a enlevé une, donc forcément là ça va remonter. Voilà, ça remonte petit à petit. Ça, en fait, c'est assez problématique quand tu commences à être dans le rouge. Hein. J'ai pas vu que en fait le rouge j'y étais vraiment forcément.
Entraînement 22, attractive, visiteur. Putain, ça coûte vraiment trop cher pour ce que ça donne. Et là, putain, ça coûte vraiment trop cher pour ce que ça donne. Hein. Donc, bah, du coup, je l'ai éteint. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça donne beaucoup ou pas. Du coup, je reviens, j'attends de faire un petit peu ça. Afin de voir un petit peu s'ils vont venir maintenant ou s'ils m'envoient traire quelque chose. Voilà. Du coup, à tout de suite. Ben, re les gens. Alors, il s'est aperçu que j'avais pas mal de problèmes de fric et bah, ça avait vu la population, elle a chuté, mais d'une vitesse. Bon, alors, concernant justement pourquoi ça baisse et autres, c'est parce que j'ai beaucoup eu en dépenses hebdomadaires des routes. Parce qu'il faut les entretenir et tout le tralala, j'étais à 10 000, à 10 000. Notamment ici, bah, ça je vais le descendre parce que ça coûte trop cher pour que dalle. On va le descendre à fond. Ils sont malades, j'en ai un petit peu rien à foutre. Hop. Oh là là, ils sont pas contents, ah, tant pis, hein, vous avez qu'à vous bouger le train. Truc foncière, voilà, le truc foncière, il disait qu'il est trop bas. Bah, tant pis, hein. Faites trop chier. Ah, truc foncier, il est trop bas. Eh bah, vous dégagez, hein, comme ça, il y en a d'autres qui vont reconstruire dessus. Donc, au niveau des habitations, ça a descendu en chute libre. J'ai coupé et arrêté tout flux venant d'ici. Ça coûtait trop cher et ça n'arrivait surtout pas à venir, tout simplement. Là, j'ai enlevé quelques bâtiments, j'en ai rajouté. Du coup, le truc foncier est plutôt pas mal ici. Donc ça va, ça fonctionne plutôt bien. Ça, c'est en train de se vider. Ça, bah, ça se vide, mais en fait, ça va pas se vider du fait qu'il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de route, tout simplement. Voilà, tout simplement comme ça, c'est fait. Une route ici. Au niveau, bah, vous voyez, hein, le quartier des pauvres, il n'y en a quasiment plus. Donc, ça se barre, ça vient, ça se barre, ça se vient. Donc en fait au niveau du fric, bah, je suis plutôt dans la merde, hein, tout simplement. Donc on va faire un grand trait qui va tout supprimer. Donc ils vont tous barrer. Et on va refaire ça correctement. Du vert ici, du petit bleu là. Voilà. On va refoutre du vert. Oh, refoutre du bleu. Ah merde, c'est de la haute densité. Et ce que je voulais, c'était de la basse. On avait dit celui-là, hein, ouais. Non, de la basse. On va mettre celui-là. Voilà. Avec un autre ici, comme ça, ils sont plutôt contents. On va rajouter celui-ci. Voilà. Et du coup, on va terminer par... Voilà. Ah oui, ça les retire comme ça. D'accord. Oh, c'est sympa. Permet de les retirer, de les renvoyer. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, ça, c'est un manque d'énergie, hein, ce qui est tout à fait normal. Ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas. Oh, je suis à moins 42 000. Oh putain. Ah, tu m'étonnes que je suis dans le rouge. Évidemment, ça va pas s'arranger, hein, parce que c'est trop pété sinon. Ça ne va pas s'arranger du tout. Donc je me demande si ma ville en fait elle est pas vraiment morte pour en refaire une. Ça aurait pas duré longtemps celle-là finalement. Il va falloir que je revoie un petit peu mes stats, mes connaissances un petit peu. Parce que les Sims, en fait, tu peux savoir ce qu'ils veulent. Eux, pas du tout. À part le tableau là, mais bon, il faut comprendre quoi.
Ils sont tous malades alors qu'il y avait plein de comment dire, de santé de partout. Voilà, bon, en tout cas, l'épisode va s'achever ici. Je suis à moins 100 000, quoi, c'est what the fuck. Je suis à moins 12 000 par machin, ça ne fonctionne plus. C'est la merde à plein pot, c'est la cata. Il n'y a pas une bonne nuque pour tout raser ou. Dommage. En tout cas, je reprendrai une autre ville. Je vais pas garder celle-là. Ça ne sert absolument à rien de la garder, celle-ci. Elle est plutôt pourrie. Je vais carrément la délaisser. Ça sera nettement plus simple. Et du coup, voilà. Donc, mettez un pouce vert, voir si vous voulez qu'on refasse une ville correctement d'une autre ville. Hein. On va pas prendre celle-là. On va en prendre une autre. Qui sera peut-être beaucoup mieux que celle-ci, et au niveau de la pollution, patati patata. Voilà, sur ce, je vous laisse, bisous tout le monde, et à la prochaine. Moi je suis à 120 000, moins 121 000, lol, même avec tout à fond, je suis sûr que je n'arriverai même pas à faire ce que je veux. Hop. Voilà, moins 12 000. Moins 11 000, moins 10 000. Oh, ça risque de remonter en fait. Hein. Moins 8 000, moins 4 000. Non, 7 000. Moins 6 000. Ouais, en fait, il faut vraiment que tu aies tout à zéro pour. Ouais, je suis toujours en dépense en fait. Hein. Même si ça remonte. Ouais, enfin, bref. Je suis à moins 135 000, hein. Moins 135 004, donc ça ne sert absolument plus à rien que je le fasse. Donc, du coup, bisous tout le monde et à la prochaine!